Hello tout le monde, c'est Super Brioche et Rose Grim, le colocataire. Ça va? Ça va bien et toi? Ouais, ça va. On se retrouve pour un nouvel épisode de La Marche des Nains. On est toujours dans ce foutu marécage et on se disait qu'on avait envie de se casser, même si on n'aimait pas les 1000 pointes. Ouais, j'ai les sabots de Moya qui sont pleins de bouille et commencent à en avoir plein le cul, donc on s'en voilà. Va. On se casse, tant pis si on n'a pas le bon niveau qu'on cherchait. On va aller dans le sud. On va aller dans le sud, aux 1000 pointes, c'est ça. Ouais, c'est juste là. Alors, on aime pas bien les quêtes. Toi, tu les as jamais faites, tu m'as dit. Ouais, pour les 1000 points, je connais pas. Oh. Moi, j'aime pas trop. C'est juste que c'est assez difficile de circuler parce qu'il y a plein d'eau partout. Mais tu m'as fait remarquer qu'on avait la marche sur l'eau grâce à toi. On avait la marche sur l'eau et puis il y a déjà une monture qui te permet de marcher sur l'eau. Donc, oui, c'est vrai. Ça pourrait justement être. Ça pourrait aller mieux. Quoi. Voilà, donc on va changer de paysage. On va aller voir ce qu'il y a là-bas. Même si on va pas y rester bien longtemps, puisqu'on a juste deux niveaux à prendre. Enfin, je crois que toi aussi, t'es. Oui, t'es 43 aussi. Oui, je suis 43. Donc, on va pas y rester bien longtemps. Et puis on pourra aller à Tanaris ensuite. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça un épisode Rush Quête? On va essayer de faire un épisode Rush Quête, oui, parce que c'est vrai qu'à chaque fois on patauge, on traîne parce qu'on dit n'importe quoi, ou alors on n'avance pas parce qu'on est en instance, enfin c'est n'importe quoi. Justement, ça pourrait aussi nous permettre de dire n'importe quoi pendant le Rush Quête. Oh, bah ça me dérange pas, moi, mais c'est juste pour dire que des fois on n'avance pas, mais on s'en fout parce qu'on rigole bien. Yep. Et en plus, peut-être qu'on devrait même faire la chasse aux rares parce que je sais qu'il y a des rares dans le coin et que ça donne pas mal d'XP aussi. Ah oui, bah il doit y en avoir pas mal, surtout qu'il y a pas grand monde dans cette zone. Alors, petit rappel aussi, les 1000 pointes, qu'est-ce que c'est? C'est une zone qui, avant le cataclysme, qui est arrivé à l'extension d'avant, était asséchée. Il n'y avait pas d'eau partout, comme vous pouvez le vous constater. Ouais. Maintenant, c'est humide. Un peu de temps. Ouais, c'est humide. C'est genre de canyon, mon grand canyon, enfin la mode grand canyon des États-Unis. Et ça a bien changé depuis le cataclysme. Ouais. Bah du coup ouais. Maintenant il y a de l'eau partout quoi. Ouais, alors, par contre, je me demande où sont les quêtes. Et moi je me demande si j'ai la qualité graphique au max, mais on dirait que oui. Non mais c'est ici, c'est un peu bizarre. Oh là. Ouais, c'est ah attends, est-ce que j'ai un rare déjà? Un rare dans le... Il est là. Juste là, on va en profiter. Ah, ça commence bien. J'ai envie de le bump là, il est près du bord. Non, surtout pas. Il est accompagné de ses trois petites hyènes. Ok. Alors je sais, enfin... Ouais. Oula. Ah bah oui, mais il y avait les yens sur moi. C'est bon, il est pas grave, on l'a eu. Et j'ai ninja, hein, cherche pas. Oh. Parce qu'avec le loot de groupe, j'ai tout pris. Captain. Fantal, ouais, il y avait rien d'intéressant, c'est bon. Non, alors je propose d'aller voir le ponton. À mon avis, on aurait dû avoir des quêtes... En fait, je crois que les quêtes étaient à Bourbabrac. C'est vrai? Je crois. Non. Je crois. On trouvera bien une ou deux quêtes. Bah oui, mais le problème, c'est que sans l'appel au héros... Je sais pas s'il nous envoie directement ici. Il me semble. Attends, je loot un peu. Le ponton là, y'a rien. Sinon, faut aller sur le gros bateau qui est au centre là. Ouais. Bah, on peut y aller. On peut essayer. Soit on n'a pas l'accès, enfin, parce qu'on n'a pas fait la suite de quêtes et il y aura rien du tout. Dans ce cas-là, on prendra le fly et on ira à Bourbabrac. Je pense qu'il y aura quand même une quête. Soit il y aura les quêtes. Donc, on va sauter. Go. Puis tu me mets la marche ensuite, pas quand je tombe. Voilà, c'est bon. Parce que je te vois bien venir en mode troll. Alors, toi. Que tu es... Ah, c'est bon, du coup, je prends ça. C'est vrai que j'avais oublié cette petite. À marche sur l'eau, c'est vraiment. Tadam. Ah, c'est super pratique. Tu veux aller dans la tornade? J'ai déjà essayé et je pense éviter cette fois-ci. Ah bon? C'est si horrible que ça? Ça fait mal quoi. Ah bon? J'ai perdu un bras, une jambe. Un bras, une jambe? Tu déconnes. Waouh. Non, ça va. Je croyais que ça faisait mal, mais. Eh, je peux plus marcher sur l'eau. Mon araignée, elle est morte. Attention, on s'y fond. Non mais c'est bon, c'est juste qu'elle avait décidé de plus fonctionner. Il avait plus de piles dans le truc de marche sur l'eau. Allez, on y va. Bref, on y va. Je pensais que ça bumperait vachement loin en fait. Et il me semble que moi une fois j'étais happé et ça m'a... Happé? Happé. J'étais élevé dans les airs. D'accord. C'était rigolo. C'est peut-être moi qui suis un peu lourd avec l'armure et j'aime pas. Ça doit être ça. Alors, je crois qu'il faut monter de l'autre côté du bateau. Regardez-moi ce mani... Qu'est-ce qu'on peut appeler ça? Un bateau, une épave, je sais pas. Oh, c'est joli, c'est un bateau. C'est joli, je sais pas si c'est le mot. Mais si... C'est un bateau gobelin. Hein. C'est pour ça. Est-ce que je peux monter par là? Je crois pas. Je crois que c'est l'autre côté. Moi la courte. Oh, ouais. Il me semble que c'est... Alors, je ne vois pas de quête dessus. En revanche, il y a le fly. Donc, de toute façon, on pourra retourner à Bourbabrac si ça marchait pas. Mais je me souviens que ça commençait pas ici les quêtes, donc c'est peut-être normal. Oh bah ok, on va faire ça. On va prendre le fly. Oui. C'est pas un problème. Nous on commence avec des fails, genre allez on va là-bas, puis finalement non. Ça arrive souvent. C'est pas très grave.
Ok, alors, le fly est ici. J'arrive, j'arrive. Tilly, alors... tourne-pique, ça s'appelle. Bah bonjour tourne-pique. Madame. Tourne-pique. Non, c'est tournique. Oh là là là. Tourne-pique, tournique, c'est pareil. Alors, Boobabrak. Boobabrak, c'est pareil. Boobabrak, le petit voyage gratuit. Du coup, je, on le compte pas dans l'épisode, ça. Enfin, c'est gratuit, tu vois, c'est en supplément. C'est un supplément, c'est en supplément. Mm-hmm. Okay. C'est le supplé. Le supplément. C'est le enfin, supplé. Voilà, j'ai pas d'autre mot, c'est le supplément. C'est tout. C'est le si plus, hein. Le bon. Plus. Et tu as un nouveau micro, toi, attention. J'ai un nouveau micro, eh oui. Alors, c'est vrai que j'en ai utilisé déjà un petit bout dans les deux derniers Rayman. Et là, bah voilà, c'est... Je pense que vous allez quand même voir la différence. Bon, déjà, moi, je l'entends. Alors, pour la petite histoire, c'est un micro qui m'a coûté deux fois moins cher que celui que j'avais à la base. Oui, celui qui était pas bon. Voilà. Comme quoi, faut pas se fier aux marques et aux prix. Hein. Alors, voilà, si jamais vous avez l'intention d'acheter un micro, achetez toujours un micro jack. Un micro casque jack. Parce que certains vont vous vendre des micros avec des cartes graphiques, des cartes son intégrées. Pardon, pas des cartes graphiques. Et des fois, ben, c'est la merde. Voilà, ce qui m'est arrivé. Donc, faites attention. Ok, alors. C'était le conseil pro de... Le conseil pro de Rose Game. Le prototype de Rose Game. Que vous voyez tous les épisodes où vous avez ragé parce qu'il y avait un son de merde et tout ça. Ben, c'est à cause d'un micro qui, pourtant, a coûté son prix, quoi. Ouais, ouais. Voilà. T'achètes la marque, t'achètes les trucs qui clignotent. Donc, voyage vers la nouvelle Talanar. C'est quoi ça? C'est... Griffe. Attends, je vais reconnaître, peut-être. Tu es là pour Babrak? Non, c'est pas là. Ben, sinon, il faut trouver l'appel au héros. Il faudrait retourner en ville et lui il donne rien. Emprunter l'hippogriffe. Ah mais attends, j'ai bêtise, il faut peut-être aller en Feralas avant. Tu crois? Attends, c'est quel niveau Feralas? Je dis bêtise. C'est le même que non, non, c'est 30, c'est 35-40, on a déjà dépassé. Mais là on est en mode 35-40 ici. Hein. Oui, mais on est déjà 43 donc on devrait avoir déjà la suite en fait. Oh bon, là, on est bloqué ici parce qu'ils veulent pas qu'on aille ailleurs. Ça pue, hein. Les salauds. Bon bah on va quitter ici, on a pas le choix. Hein. Et peut-être essayer à comment ça s'appelle à Terra Mort. Ouais, mais on va pas. La nouvelle Telanar, elle est où? La nouvelle Telanar, c'est bah, c'est Feralas. Ouais, mais. Mais je crois qu'il n'y a pas d'appel au héros là-bas. C'est à l'est. Le seul endroit où en nuit, je pense qu'on pourrait avoir de la chance, ça sera à Terra Mort. Ouais, mais Telanar, tu sais si c'est à l'est de Feralas? La nouvelle Telanar. Je sais plus. Je ne sais plus. Non, mais sinon on va faire les quêtes ici parce que je crois qu'on a pas le choix. On a pas le choix. Il faut commencer par parler à l'inspecteur. Attends, attention parce que j'ai pas fini mes quêtes donc je vais prendre les autres et puis voilà, on fera comme ça. Je vais juste abandonner l'hippogriffe parce que sinon je vais le prendre sans faire exprès. On est désolé les gens, mais on voulait vraiment vous montrer notre zone et puis apparemment on peut pas. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? On a dû louper des quêtes, c'est dommage. J'ai des bugs de quêtes en plus si tu veux. Comme quoi, hein, si vous faites du leveling, suivez bien les quêtes, c'est très important. Mais en plus c'est... Attends, mais où est-ce qu'on peut avoir un appel au héros ici en plus? Il y en a pas ici, les appels au héros sont en capitale. Non mais t'as peut-être raison sur le fait qu'il y en ait un à Terra Mort. Je vois pas de panneau à Terra Mort, mais c'est plus probable que ça soit là-bas. Parce que déjà on est à Lee, ici c'est une zone neutre, donc Ouais... Allez, on fait un tour à Terra Mort de toute façon. On est parti pour faire du voyage, là on fait n'importe quoi. Voilà, on fait n'importe quoi, l'épisode Nawak. C'est ça. C'était censé être un rush quête et finalement ça devient Nawak. Non, c'est un rush fly. Alors, c'est quoi ça? Surtout prends pas le deuxième. Hein. Ouais, ce que je vois. Et du coup, j'ai essayé d'abandonner la quête qui nous envoie à Feralas et il m'a abandonné une autre quête. C'est super pratique. Merci le jeu. J'ai rien fait. J'ai rien touché. J'aimerais bien l'abandonner pour de vrai. Elle est où? Ah, mais du coup, c'est là-haut. Abandon! Voilà. Je n'ai rien touché. Je crois que c'est bon. Oh, il y a une quête sous nos pieds. Netpagal. N'a-t-il pas gueule, qui est une carte de Hearthstone, justement. Oh, Hearthstone. Eh oui. Oh, je viens de voir une écrevisse rose. Ah bah, elle est pimp. À deux écrevisses roses. Elles sont toutes les deux pimp. Alors, y'a rien du tout ici, j'annonce. Y'a rien du tout. Que dalle. Niet, nada, que dalle. Ok. Attends, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Attends, y'a quand même quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Je crois qu'il m'a tapé le héros ici. Hein. Attends, mais pourquoi lui... Attends, je vais lui parler parce qu'il m'a intrigué. J'ai aucune quête ici. Ah non, je pense que ça vient de... C'est mettre des pêcheurs, ça. Bon, on est perdu. Voilà. Oui, on est censé perdu. Moi, ce que je te propose, du coup, on est à côté. On n'a qu'à faire la quête Reine McBranchy, tout en haut. C'est à côté, à côté.
Ben oui, c'est plus vers la monnaie. Non, il faut absolument retourner à Bourbabrak. Hein. Les quêtes sont plus au niveau là-bas. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah, mais on est parti pour faire du fly, on fait du fly, hein. Moi j'en ai rien à foutre. Allez, ben c'est parti. On s'en fout. Oula, j'ai failli aller à Teldrassil. Ça fait un peu. C'est pas la porte à côté, quoi. Après, t'aurais eu la belle au héros, quoi. Du coup, on peut faire une grosse ellipse après. Ah bah là, une ellipse, on se retrouve la semaine prochaine, hein, parce que pour aller dans le nord. Bah, vous savez quoi? Quoi? J'ai mangé un Delishock. Oh non, moi j'ai pas le gâteau. Oh, ça va? Oh, c'est bon là. C'est trop bon le Delishock. Ouais, ouais. Après, on va croire que tu fais des choses au Delishock. Ah bah, je le mange, hein. À plein dents. Nam. Ça te fait rire? Tout à fait. Ouais. En fait, on aurait dû retourner en instance, comme ça on aurait pas dû s'emmerder. Alors, comment j'ai de PO 377. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de message sur le jeu et j'avoue que on a pleuré. Oh, tu as pleuré. Non, mais n'importe quoi. Non, on n'est pas arrivé jusque-là. Mais c'est vrai que les petits messages, justement, des petits épisodes nous manquaient. Et on s'est J'en ai eu un la dernière fois et j'ai oublié de le lire. En fait, au début, c'est vrai qu'on était spammé de messages. Enfin, moi, pas trop, puisque j'avais peu de viewers à ce moment-là. Brie, il y en a beaucoup plus. Et on avait pas mal de messages au début. Et là, on en a plus du tout. Oh. Mais plus du tout. Ah, oh, il m'a fait tomber le sac. Alors, j'insiste. Hein. Plus du tout. Oula, ça veut dire ça. Il veut... Rose Green veut un message, méfiez-vous. Donc, on en veut. On veut des messages. Moi, je les lis de toute façon, il n'y a pas de souci. Je les lis en début d'épisode. Ça veut dire quoi ça? Que moi, je les lis pas? Si, tu les as lu bien sûr. Ouais, attends, parce qu'il y a peut-être un mob rare plus bas là, donc on va y aller. Avant d'aller à l'endroit de quête. Et oui, elle est là. Ouh, qu'elle est vilaine. Ouh, qu'elle est laide. Oh, elle est belle, ouais, t'es fou. Ah. Ouais, c'est vrai que c'est une araignée grosse dégueu. Tu es là. Mais moi j'aime bien. Ah, non. On dirait la reine araignée de l'Axtramar. Bah. À bas l'oppression, ouais. Ah, j'aime bien. Je déteste les araignées, mais j'aime bien ce skin d'araignée. Excusez-moi, je crois que j'ai une déjà. Mais moi, je vois un truc qui brille, je clique. Surtout qu'en plus, c'est pour moi. Bah, ah bon? Je t'en veux pas. Non, c'est des épaulettes. Okay. Il y a peut-être qu'on va faire. Oui. Tu vas mettre du teint avec les G, tu sais. Avec les G? Je croyais que t'aimais pas les G. Ah ouais, mais là, du coup, moi, je sais que je vais pas me faire ninja, quoi qu'on fasse. Oh. Bon, il y a peut-être encore un mob rare ici, attention. Préparez-vous au truc qui va faire. C'est pas grave. Non, je préviens. Est-ce qu'il faut tuer des trucs? Eh ouais, ça fait du bruit, il est là-bas, le rare. Faut tuer celui-là. Oh, c'est un raptor. Allez, tuons les raptors. Alors, il s'appelle Nichus. Alors, je sais pas si on dit Nichus ou Nicus, du coup. Bon, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un raptor. C'est parce que t'as des raps qui ont raison et t'as des raps qui ont tort. Ouais, je vois. Alors. Qu'est-ce que j'ai pas mieux? Comment tu viens d'esquiver ma blague pour... J'ai fait cupi. Oui, non, j'ai pas... Encore une fois, quand je suis concentré, je ne peux pas réfléchir à deux choses à la fois. Non, il est monotache. Voilà, je suis bien... Toi, tu serais un... Si on était un téléphone, tu serais un Nokia 3310. Oh, c'est gentil. Solide, mais une seule tâche à la fois. C'est gentil, ça, tiens. C'était... Merci. Oh, de rien. Merci de me rappeler que je suis vieux et que je suis un modèle dépassé. T'as même pas la sonnerie polyphonique. Oh. C'est dommage. Par contre, il n'y a plus de raptor ici. Moi, on me lance partout, je suis toujours en vie. Ah bah attends. J'en ai pris des coups dans ma vie. C'est la phrase profonde. Si t'étais un téléphone, tu serais un Nokia 3310 parce que t'es solide, tu résistes à la vie. Ok. Ok, ouais. Ouais, ouais. Merci alors que. Merci pour le compli. Je dois le prendre comme. Je sais pas, prends-le comme ce que tu veux. Ah, y'a un raptor là, y'a un raptor. Attends, parce que j'ai peut-être encore un mob rare par là-bas. C'est ce qui me tarde là. En fait, quand je rejoue un petit peu, c'est vrai qu'on n'y joue pas à part pour tourner maintenant. Ah, y'a encore un mob rare. J'ai tellement envie de la prochaine extension, mais tellement. Ouais, ouais. C'est vrai qu'à chaque fois en plus on dit, elle va pouvoir en faire plus souvent parce que blablabla. Parce que maintenant, colocation, tout ça. Et finalement. C'est encore pas. Ah, parce que moi j'ai rajouté des épisodes sur ma chaîne, et enfin des séries sur ma chaîne. Et tu en as aussi, donc du coup on est overbooké, ouais. Quoi. Overbooked. Bah en fait, ouais. Le problème c'est surtout l'upload. Oui, c'est clairement l'upload. Autant quand on était chacun chez soi ça passait bien puisque ça allait. Mais là on est clairement sans fibre, on est des fois à 3 voire 4 uploads sur la ligne par soirée. C'est lourd, c'est très lourd.
ça qu'on va déménager pour avoir un truc plus grand, parce que là monsieur dort dans le salon, donc c'est un peu chiant. Ouais, c'est nul le salon. C'est un peu nul. Ça fait mal au dos là, j'en peux plus. Il est pas confortable mon canapé. D'ailleurs, est-ce que j'ai le droit de faire un petit peu de publicité? Ouf, vous avez 10 secondes. 10 secondes. Alors attention, je vais faire une nouvelle série Minecraft avec Brioche. Sur mon chat. Ok. J'aurais dû t'offrir 3 secondes parce que ça aurait été suffisant. Je la répète parce que je crois que tout le monde a pas entendu. Donc je vais faire une nouvelle série Minecraft avec Brioche. Sur ma chaîne. Voilà. Dans peu de temps, je pense que d'ici la semaine prochaine, peut-être en fin de semaine prochaine, je sais pas le sortir. Ok, moi j'ai toutes les plumes. Hein. J'en ai aussi toutes. Okay, j'en ai aussi toutes. Là-bas. J'ai des étoutes aussi. J'ai aussi des toutes. J'ai toutes aussi des toutes. J'ai tout sorti des plumes. Tout sorti des plumes. Pourquoi? Attends, stop. Quoi? Qu'on m'explique un truc. J'ai jamais compris pourquoi les raptors avaient des plumes. Bah parce que ils ont des colliers de plumes, je crois. Mais ils sortent d'où? Ils naissent pas avec? C'était profond comme réponse, ça je sais. Ah bah oui, voilà, plus profond tu meurs. Hein. Creuse. Oui, je sais plus, c'est ça que je t'ai dit hier soir. Oui. Alors il y avait un tweet qui disait: je creuse, tu creuses, il creuse, nous creusons, vous creusez, il creuse. C'est pas un poème très joli, mais il est très profond. Voilà. On va bientôt toucher le fond. Voilà, c'est ça. C'était monsieur jeu de mots. Ta-da-da. Ouais, ça. On va rendre ça. C'était le bruit du cochon dans Cochon attention. Arrête, il se moque parce que je joue à Cochon Land. Alors, tous les jours, depuis que je suis là, j'entends ça 4 à 5 fois par jour. C'est un bruit, mais atroce. Vous pouvez même pas imaginer à quel point c'est. Non, c'est pas mon cochon qui fait ce bruit. Je sais pas ce qu'il fout sur son PC, mais de temps en temps, j'entends. Alors, je me retourne et je me dis: qu'est-ce que c'est? Et là, c'est quoi, genre, une grosse truie sur l'écran. What the fuck? Mais c'est pas la truie qui fait ce bruit, c'est un mini-jeu dans Cochonland. Et quand je perds, ça fait. Ah bah, il perd toute la journée alors. Oui, bah, et des fois je gagne, tu sais, ça fait. Ah bon? Mais si. Bizarrement, ce bruit-là, je l'entends moins, tu sais. Bah non, mais parce qu'on gagne pas tous les jours. Alors là, tu peux y aller, je l'entends fort. Surtout que je prends un malin plaisir à mettre le son à fond. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je rigole? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bah, faut prendre les quêtes et continuer. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, j'ai Hup! Ah, peut-être qu'il faut lui parler, non? Quelque chose comme ça. Non, j'ai rendu la quête. Il faut lui rendre quelque chose. J'ai cœur du croisé! Waouh! Je vais plus vite maintenant. Tu es le cadavre de que cendré craint d'un éclair. Eh, tu sais qu'on est toujours avec les montures 60? Ah ouais? Ouais! Bah écoutez, on a plus de sous, il faut nous en donner. Non bah attends, y'a plus de sous, tu dis pas des conneries toi. Non mais la prochaine fois. Enfin quand on ira à Tanaris. Non mais je comprends qu'il y a moins de monde aussi parce que on est clairement en fin d'extension depuis un bon moment. Y'a plus rien qui se passe sur le jeu. Ah sur le jeu, oh, d'accord. Et que vous soyez moins présent sur le jeu, attends, c'est faut tout faire à fait quoi là. Faut avoir des queues de Vrim. Des queues de Vrim, comment on les a les queues de Vrim? Des queues de Vrim, bah je pense qu'il faut tuer des Vrim. Des Wyrm plutôt, pas des Vrim. Comme et des Rose Vrim. Et leur couper l'appendice. Bah on va leur couper l'appendice, mais c'est pas des Vrim ça. Non, ça c'est des dragons incendiaires. Je vois. Après si j'ai de la chance, j'aurai peut-être un mini pet là-dessus. Ta-ta-ta-ta-ta. Faut cueillir des pépines là. Hop. C'est vrai, ils nous ont un mini pet. Ah mais c'est ça. D'accord, faut pas que. Faut pas leur couper évidemment. L'appendice, les appendices c'est les fleurs. Évidemment tu les prends toutes. Bah eh oui. Ça non, t'étonne c'est... Sinon c'est pas drôle. Et oui, il y a des mini pets sur eux, mais très 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 rare. Si tu le loot, tu peux le vendre très cher. Ah ouais. Ouais. J'ai entendu toi aussi. À chaque fois qu'il y aura une blague pourrie, on mettra ça. Ouais. Et le son de cochon land pour les blagues pourries. Mais je peux pas le mettre là. Ah, droit d'auteur, tout ça. Non, c'est pas un droit d'auteur, c'est que je suis en plein écran sur le truc. Ouais, c'est sûr, mais. Oh je le mettrai pour la série Minecraft, là, on en reparlera. Parce que je serai pas en plein écran. D'accord. Et vu que je tournerai pas du tout, tu pourras l'entendre. Ça fera prr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 
Et en... vous avez en direct live le cri viril. Oh, j'allais vous lancer comme ça, vous savez, l'origine de mon pseudo, parce qu'il a dit Grim, et du coup je me suis rappelé, et je ne le vous dirai pas, je ne vous le dirai pas. Pourquoi ? J'ai promis, il y a quelques temps. Moi je le connais, vous pouvez me soudoyer. Non, avec quelques pouces verts, je pourrais. Donnez-lui des PO pour le soudoyer. Et j'ai promis, je le ferai, mais que pour les 50 000 abonnés. Alors dépêchez-vous d'en parler à vos amis si vous voulez savoir. Vous votre l'origine mère de vous pseudo, parce qu'en plus j'en ferai une petite histoire et tout, c'est pas mal. Vous allez voir votre mère, vous lui dites abonne-toi, je veux savoir comment il s'appelle. Alors tu sais que tu en as pris 8, j'en ai suivi qu'à 2. Bah j'ai la cueillette dans le sang, moi je suis humoriste. Surtout la main rapide. Ah, la main est plus rapide que l'œil. La main rapide pour cueillir les plantes. Pour cueillir. 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 Ouais. Cueillir. 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 Tout à l'heure j'ai vu un message, alors je sais pas qui l'a, je dirai pas le nom, mais je pense que vous le retrouverez. Il y a quelqu'un qui m'a écrit un message, je suis sûr qu'il était très gentil, il était très gentil, par contre j'ai mis quelques temps à le décrypter. C'est... Waouh. C'est waouh. Ouais. Ah parce que c'était écrit en SMS. Ah non non, c'était pire que du SMS. Eh bah c'est du SMS avec des moufles. C'était... Je pense que cette personne-là, sans vouloir l'offenser, a posé sa tête sur le clavier et a roulé. T'as toutes tes fleufleurs ou pas? Non, pas du tout. Oh là là. Mais y'en a plus. T'as oh là là. Personne là. Attends, bah, ce qu'on va faire, on va retourner vers le haut là. Parce qu'il faut des essences de je sais plus quoi là. Poser sa tête sur le clavier et rouler dessus. Des deux côtés, ça fait un message. Voilà. Comme ça là, attends. C'est voir si j'y arrive moi. Je vais faire. Attends, j'essaye pendant que tu t'amuses hein. Donc, j'ai déjà répondu sur Twitter, bien que je sais que j'ai beaucoup moins de monde sur Twitter que... Tu me protèges le temps que je roule ma tête? Oui, oui. Et abonné. Aïe. T'as vraiment roulé la tête sur le clavier. Ça a donné ça. Ah bah, il a dû rouler la tête plein de fois, alors, parce que le message était beaucoup plus lent. Ou alors, il a une grosse tête. Zblette. Il a une grosse tête, pas une zblette. J'ai compris, zblette. Zblette. Bon, il me faut encore des fleurs. Hein. Mais oh! Bah oui, j'ai pas de fleurs. Mais on va aller faire la quête du nord, le temps que ça repousse. Ah, en plus, les fleurs sont plus au nord. Plus au sud, pardon. Mais voilà, ouais. Bah oui, mais forcément, elle doit vivre. C'est blé. La zone est grande. Voilà, voilà, je sais pas ce que je fais donc, là. Je suis même plus jeune été, voilà, avec tes bêtises, tout ça, je sais plus. Bon. Oh, un crocodile. Oh, les crocodiles. Pourquoi il est bugué? Non, ça suffit. Mais viens m'aider. Moi, je prends des fleurs. Mais non, mais je t'ai dit, faut attendre que ça repousse. Bah, il y en a déjà. Attends, faut libérer la magie, là. Attends, où est-ce que tu es? Ah oui, t'es pas libère la magie du totem de Brock sur le cadavre d'un queue de cendre. M'attendra pas, hein. Bah, après, on dit, ouais, mais t'es toujours à la bourre. Mais je pensais que tu me suivais. Aïe, je me suis fait... Est-ce que ça t'a compté 1 sur 10, par hasard? Par un jeune incendiaire. Ça t'a compté 1 sur 10? Comment? Est-ce que ça a eu 1 sur 10 sur les essences de draconien noir? Non, pas du tout. Bah, c'est dommage. À moins que je ne l'ai pas vu, mais je crois pas. Ah, mais c'est vrai que t'as pas tes suivis. Ah, par contre, je viens de passer 44. Ah, cool. Et on a débloqué Zul'Farak et j'ai gagné Slave de guérison. Hey. Ah oui. Ok, je te vois sur le radar. Le radar. Le radar, mec. Le radar, ouais, ouais. Ah, c'est ça, c'est... Eh, t'es où? Ah, d'accord. Je suis là. J'ai peur! Se calmer. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Une caisse avec du feu de daim. Du feu de daim? Du feu de daim. Pourquoi ça a spoiler vraiment de brûler la caisse? Ça doit puer un daim qui flambe. J'ai arrêté d'essayer de comprendre ce qui se passait. Hein. Bah, c'est juste que j'ai fait une blague. Ah! Du feu. T'as pas compris? Non. Le feu de daim. Le feu de daim. Ah, c'est... d'accord, oui. Vas-y, le bruit de la blague pourrie. Le feu de daim de Zelda, d'accord. C'est ça. Mais non, le daim, c'est pas un animal, un daim? Si. Bah voilà, bah un daim qui flambe. Bah ça faisait le feu de daim aussi, d'Odin. Ou alors c'est un... Daim, je sais plus. Un enrhumé, c'est Adin. Oula. On va renommer cet épisode Adada. Adada, cochon langue, blague pourrie. Adada, cochon langue, crocodile, voilà. Super voyage, crocodile, voilà. Super voyage 666. Croco Grim et puis c'est fini. Mais t'as mis les totems au lieu de... Mais j'en sais rien, moi j'ai pas. Mais il faut te mettre des totems, mais tu sers à rien. C'est quoi, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il faut tuer. Libérer la magie. Libérer la magie. Enfin, il faut mettre des magie. Totems sur les cadavres. Les cadavres, la magie, la cadavre. Libère la magie.
Vas-y, double magie là, regarde. Voilà, le totem de Brog. C'est le Brog. Libère, tu vas voir. Attends, je libère. Libère les totems. Libérer la magie. Non, mais c'est des cibles incorrectes parce que je les ai déjà fait. J'ai déjà libéré la magie. Je veux la magie noire. Tu la vois pas, elle s'envole là. La magie noire. La magie noire, mec. Eh, attends. Là. Que Sandré. Après, il y a une quête à côté encore. Waouh. Waouh. C'est la magie noire. Tu libères la magie. Je veux libérer la magie. Vas-y. Libère la magie, mon frère. T'as toutes les. Tu es des oxy. Déjà. Nous allons te désoxyder, mon frère. Libérez-le. Désoxydation. Libérez la magie noire, le totem de Brog. Oui. Ça y est, ça va mieux. Désoxyde. Mais pourquoi ça me le compte pas? Oh non. Désintoxiqué, désoxydé, tu es des. Ah. Quoi? J'arrive plus. J'arrive pas à le dire. On va exorciser. Exorciser. Désoxyder. Mais y'a plus d'ennemis à désoxydacier. Ah oui. En plus, ça compte pas pour nous deux, c'est un peu dégueulasse. Ils ont dû boire de l'antioxydant, c'est peut-être pour ça. Y'a pas un Brog. Si, allez, y'a les Clayworks, clan de feu. Ah, j'en ai un là aussi. Si, ah, ouais. On va mettre le totem dessus. Qui voulait que je tue? Libère la magie noire, mon frère. Et Clayworks, clan de feu, désoxydé. Oui. Doucement. Ça suis à 4 sur 10. J'abuse ah, un mais... peu. Non. Un peu, ok. Alors, j'en suis à 7 sur 10. Mais j'aime bien, c'est rigolo, ça fait passer aux trolls qui prennent du coup cet accent. Bah oui, c'est ça, c'est le troll, mec. Le troll. Mais je suis bloqué par des... Voilà. On fait n'importe quoi. T'as fait un petit check temps, je sais pas combien de temps. Le check temps, déjà, je l'ai balancé un peu tard, le temps, donc... Ah, d'accord. On était dans les... On est dans le fou, là. On était dans les 1000 pointes. On est environ dans 25 minutes, je dirais. D'accord. À peu près, tu vois, peu de choses près, tu vois, genre... Voilà, okay. Tu vois. Et Clayworks, Clan de Feu. Attends, je elle est nulle cette quête parce qu'elle compte pas pour tous les deux. Elle est nulle. Ah, libère la magie noire, mon frère. Ouais, ça y est. C'est à toi qu'il faut libérer la magie noire. Prends un Daily Shock, ça passera mieux. Ah, miam. Moi j'ai. Ah oh, attends, mais moi j'ai des trésors à côté de moi. Ah, oh, non. Libérez le chocolat noir. Libérez le chocolat noisette. C'est pas du chocolat noir, toi, que tu manges. Non, mais non. Ça rime avec la magie noire. Est-ce que j'ai mis l'essence? Ah, mais d'accord, j'ai compris pourquoi ça comptait pas pour tous les deux. Ça se loot les essences de truc. Ah, à quoi? Nom. Je viens de faire lui. Ah, il est là. Nom. Oh, des bottes. Ah, oh, mes bottes. Alors, pouce vert si nous pour entendons ça. Manger, ça vous a donné faim. Les pauvres. Y'a plus personne à tuer. Franchement, on n'est pas productif sur cet épisode. Hein. C'est à la base, on était parti pour un rush quête. Ouais, tout ça va être trop cool. Ouais, on est 45, on prend la Tanaris. Moi, je tourne en rond depuis 5 minutes parce que je trouve plus de mobs. Attends, j'en vais faire quelque chose parce que j'en ai assez. Ah, mais t'en as deux, toi. Eh ouais. Et attends, je vais en désoxyder un avant que ce soit trop tard. Libère la magie. Désoxydation, ninja désoxydé. Oui. Libère la magie. Je suis ninja ouais. Les désoxydés. Ah non. Ah si. Allez, j'en ai 9. Les deux. Attends, viens. Viens copain, on va aller là-bas. J'en ai 39. T'en as 39, dis donc. Eh non, j'ai pas fait le 9. Alors attends. C'est quoi qu'il faut aller. Là-bas, à gauche. Là-bas, dans l'ouest. À gauche. Dans l'ombre. À l'ouest de la gauche. Oui. Bah c'est très à gauche ça. À gauche il nous faut une bannière de Cogne-Pierre. Oh, attends. Il y a un oxydé là. Axodia. Comment Attends, je veux. Non, c'est moi. Je peux pas le lancer. Ah, sale tête de nain. Je suis en fin de plus, duel, je suis à 10 sur 10 maintenant. Comment ça, tu me tues? Je te tue en duel pour me venger. Que dalle. Tu as absorbé la magie. Attends, stop, je suis perdu dans le... Voilà, c'est tout droit. Tu as absorbé la magie de la noire. La magie de la noire. La magie noire. Ok, mec. Attends, c'est là. Il faut trouver l'entrée de la grotte. C'est le vaudou. Livrez-vous au vaudou. C'est où l'entrée? Ça doit être par là. Parce que on est dessus, mais on est un peu. Je pense qu'il fallait simplement suivre la route. Oui, alors moi je fais toujours mon malin, je tombe du sapin, tu vois. Il y a un oxydé en plus. Il y avait plein d'oxydés ici. Des oxydants. Les oxydés. Et les béwans. Ah, les libérés. Le démon qui est en eux, oui. Oui.
Oh, il y a des oxydés en armure en plus là. Grosse Vrim, venez. Grosse Vrim, gros Vrim. Gros Vrim. Cricket. Enchanté. Eh, oh, doucement. Je croyais que tu voulais entendre Cricket, je te l'ai fait. C'est là, l'entrée est par là. Dans la grotte. Dans la grotte. Dans la grotte. Dans la mine. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faut? Bah, y'a plein d'oxydés, faut les tuer et aller au fond du trou. Problème? Non. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit quelque chose de drôle? Non. Rien du tout. Fait combien de temps que t'as pas vu ta copine, toi? Ouais, voilà. C'est rigolo. Surtout qu'ils savent très bien que je réponds pas à cette question, c'était... Tout s'explique! C'est pour ça. C'était un très beau piège, mais je ne suis pas tombé dedans. Bon. Du coup, je sais même pas qu'est-ce qu'on fait là. Tu m'as dit qu'il fallait récupérer un coffre. Mais faut tuer! Voilà, il est là! Ah ouais, il est là! Oh, y'a un coffre en tout cas. C'est le quoi? Attends, bim! Attends, mais faut le tuer? Je récupère le coffre. Ah, mais pourquoi moi je peux pas le voir, mais c'est coffre? Bah, moi non plus. C'est quoi ces conneries? On s'est foutu de nous! Est-ce qu'il faut peut-être faire une désoxydation? On nous a trompé! Attends, c'est pas désoxydé. Non, mais c'est pas là, c'est en merde. Bah, pourtant, y'a un coffre. Non, mais c'est pas le bon. C'est un fake. Bah, décoré. Décoré. À troller. Hop, pardon pour le tout. Tu trouves pas que la grotte est plus charmante avec ce coffre? Non. Très bien. Pas du tout. Non mais je pense que c'est dans l'autre trou. On s'est trompé de trou, c'est tout. Oui, c'est là. T'as fini avec les trous. Mais j'y peux rien, c'est trompé de galerie. Voilà, une galerie, pas un trou. Oh, une bannière. Bah oui, c'est ça qu'il nous faut, frère. J'ai récupéré la peau de Tigre. Attends, parce que... J'ai pas réussi parce qu'on me l'a ninja. La bannière cône de pierre. Est-ce que t'as réussi à désoxyder ce qui manquait? Oui, j'ai tout. Donc on peut rentrer à la Mazin. Ah bah non, il me manque encore des fleurs. Ah oui, bah on va dans le jardin avant. Vite fait, bien fait. Non, là-bas c'est pas la sortie hein. Parce que... Ah oui, c'est où la sortie? Bah... C'est là. Comment t'as pu te tromper? Les grottes de haut sont toutes pareilles? Parce que j'ai pas fait attention. Parce que tu n'es pas concentration, c'est tout. C'est vrai que les grottes de haut sont toutes pareilles. C'est le même moule. Bon, bah moi je fonce récupérer les fleurs qui me manquent et puis on se retrouve à Bourbabrac. Bon, je vais te suivre. À Bourbabrac. Bourbabrac, moi j'ai pris le chocobo. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai à faire? Je vois qu'il y a encore quelque chose. Hippogriffe emprunté jusqu'à la nouvelle machin. Non, okay. Mais ça, on le fait pas. Parler à l'inspecteur Tarem à l'auberge du repos ombragé. L'inspecteur Tarem. Ça va. Tarem. 20 yeux de sombre. 20 yeux de sombre lune. Ça, c'est de sombre brume, pardon. Oula, je suis pas concentré, je lis des trucs qui ne sont pas vrais. Où sont les fleurs? Avec leurs appendices pleins de... Fleurs. Dites-moi où sont les fleurs, les fleurs, les fleurs, les fleurs, les fleurs. Ah, il y a un couple d'oxydés là, t'as vu? Où sont les fleurs? Dites-moi combien d'abord? Tu sais qu'est-ce que je vais utiliser? Parce que vous, en exclusivité, chers amis, vous n'avez jamais vu la vision chamanique. La double vux. Regardez, la double vux. On peut aller très loin comme ça. Double vue. Si on... Il te manque combien de pétales de machin là? Hop, plus de double vue. On manque une, elle est en face. Attends, il y a un mob rare qui se cache là-bas en général, donc je vais y aller. Même s'il y a plein d'oxydés. Alors je vous ai fait le vaudou, hein. Le DJ Ritu. Ah, viens! Ah, bon, il est mort. Il est mort? DJ Ritu. Alors ce soir, en exclusivité, DJ Ritu. Est-ce que vous êtes là ce soir? Eh oui! Avec l'effet d'écho là. Alors levez les mains! C'était une blague pourrie, on peut y mettre un son de cochon dessus. T'as fini cette fois? J'ai fini. Enfin. On peut rentrer. Bon. Tiens, il y a un petit trou, on va passer par là. Ah, mais non, il y a un gros trou là. Ok, je suis. C'est un passage. Arrête avec les trous, s'il te plaît. Mais je n'y peux rien. Je dis plus rien, ça va. C'est comme ça. Des trous, des petits trous. Voilà, l'épisode. Toujours des petits trous. De ton côté, tu peux le renommer de cette façon là. Ah, mais je le renomme pas de mon côté, donc ça tombe bien. C'est toi qui donnes des noms. Ah bon? Bah oui. D'accord. Tu découvres, toi. Alors, c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai? J'ai des PO. Il faut apporter machin à machin. Dans les ruines, ne connaît pas. Oh, je crois qu'on a pas fini. Hein. Bah non, on est loin d'avoir fini. Elles sont chiantes, tant mieux. Ici, dis donc. Moi, j'ai presque. Je suis à la moitié de mon niveau. Ah, moi non. Ah, moi non. Bah, je suis à 33%.
Qu'est-ce qu'on fait ? On va faire encore une quête. De toute façon, on n'a pas fini l'épisode. Surtout qu'on a dit que le truc de Fly était pas compris dans le prix. Donc. D'accord. On continue. Allez. Encore une quête. Et peut-être, dans l'éventualité que la prochaine fois, on va peut-être enfin imaginer, espérer quitter cette merdasse de zone. Ouais, ça pue le. Ça pue. Faire quoi là ? Qu'est-ce que c'est ça ? Ah, il y a les carcasses ! Sauver les restes ! Voilà. Sauver les restes, ouais. Sauvons les restes. Bon bah. Ah, c'est un fantôme d'ogre. Oui. Un esprit cogne-pierre. D'accord. Boum. Pourquoi vous éveillez fantôme ? Ah, c'est bien, ça compte pour tous les deux enfin. Bah, cherche les restes et éveille-les. Alors, il y a quelque chose de magnifique dans le mot, c'est que les fantômes qui à la base ne sont pas là et que nous réveillons ont des pièces sur eux. Ah, bah oui. C'est quand même rigolo. Ça, c'est toute la magie de WoW. Les fantômes ont du loot. De toute façon, le truc le plus grave de WoW, c'est le paradoxe de l'œil de Murloc. Explique-toi. Bah, comment dire ? C'est le fait que quand t'as une quête qui te demande 6 yeux de Murloc, il faut que t'en tues 14. Ah oui. Et non pas 3. C'est vrai. Tout est là-dedans. Boum. Esprit cogne-pierre. Allez, faut les libérer. Libérer l'esprit exorcisé. Désoxydation. C'est bon. Cherchez les restes oxydés. Il y en a un là. Oh, il y en a plein là. Et il y a un petit dragonnet d'incendie. Je vais m'occuper de la carcasse. D'accord. Je désoxyde vite fait là. Voilà. Je vais en invoquer d'autres parce que j'en ai marre là. Il n'y en a pas assez. Pam. Pam, 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 pam. Peut-être que la prochaine fois on refera une instance du coup pour enfin quitter cet endroit malfamé. Je passerai en heal s'il faut, c'est pas un problème. Ouais. Ça, on ira faire Zul'Farrak. Yep. Ça nous fera bien up, on pourra enfin aller à Tanaris parce que j'en ai marre, je veux du soleil, je veux du sable chaud. Oh bah pas moi, moi je veux des forêts humides et verdoyantes. Mais je veux du sable chaud. Vous voyez, on est quand même deux nerds, on est censé aimer les grottes, mais alors il y en a un qui aime les grands espaces chauds et j'aime bien les grottes. Et voilà. Si une de mes zones préférées, c'est quand même les tréfonds. Donc c'est vrai que c'est une grosse grotte pour le coup. J'aime bien les grottes. Ah si, la grotte la plus belle, c'est celle de Ungoro dans le nord là. Avec des cristaux de toutes les couleurs. Mouf. Oh si, elle est jolie, elle s'illumine de partout. Bah, chacun. Pardon, chacun ses goûts, j'ai envie de dire. Ah non, mais comment tu peux dire qu'elle est pas belle? Bah surtout parce que je la vois pas très bien, mais... Il y a des cristaux de toutes les couleurs. Si c'est en gros, je pense pas que ce soit très grand, non. Ah non, c'est une petite grotte, mais je la trouve jolie parce qu'elle est toutes les couleurs. C'est justement les tréfonds, c'est grand, c'est vaste, c'est beau. Non, c'est même plus une grotte à ce niveau-là. Ça. C'est un continent sous terre. Bon, en tout cas, on a fini la cut. On va voir ce que ça donne de la rendre. Boum. Hop, voilà. Tion tout. Ok. Est-ce qu'il nous reste quelque chose dans le coin peut-être? Bah non, du coup là, c'est tout. Ok, bah go. Il faut retourner voir l'ogre du village. Voilà, cabron, je ne comprends pas. Je suis perdu. Faut pas que je te suive en fait. Non. En plus, je me suis fait désarçonner. Ah. C'est pas grave. Sus, c'est l'ennemi, sauf qu'ils peuvent. Qu'est-ce que tu dis tout? Je sais pas. Où est-ce que c'est là-bas? Pourquoi je suis en combat encore? Ah, c'est bon. Prenons le corbeau. C'est là-bas, c'est là-bas. Trio. Bon. Et tant pis si on n'a pas avancé, on arrêtera parce que sinon l'épisode va durer environ 10 ans. Est-ce que vous voulez entendre la vraie voix de Rosegrim? Quoi? Oui, là c'est ma voix à moi, mais vous n'avez pas encore entendu la vraie voix de Rosegrim. Bon, des nains en général, tu veux dire? Non, de Rosegrim, c'est pas pareil. Bon, excusez. Est-ce que tu veux l'entendre? Oui. Allez, je vais faire l'intro d'épisode à ma façon, version Rosegrim. L'outro. Et salut à tous, c'est Rosegrim et c'est le premier épisode de la Marche des Nains. C'est Bob Lennon Rosegrim là. C'est Rosegrim. Planter 8 bannières, machin chose. Ok, bon, on fera ça la prochaine fois. Quoique non, la prochaine fois on ira en instance pour peut-être quitter. Peut-être même que je peux faire l'outro de l'épisode. Version Rosegrim. Oui, ça va pouvoir se faire. Faut ça se faire. Oui, c'est faisable. J'ai le 3. Oui, tu peux. Ok. De toute façon, on a fini. La prochaine fois, on ira en instance pour enfin partir. D'accord. Donc, on peut dire qu'on a fini cette zone. On a fini cette zone. Donc, on a fini. Du coup, je. Tu peux le dire. Je le dis. Ouais. Je le dis. Banane. Je m'attendais pas à ça, mais j'ai envie de dire. Pff,
Est-ce que tu as un mot à dire pour la fin de l'épisode? Laisse-moi réfléchir. Brouette. Brouette. Banane avec brouette, qu'est-ce que ça donne? C'est à vous de réfléchir et vous pouvez répondre dans les commentaires. Surtout, envoyez votre réponse sur papier libre. Sinon, oula. Je vais la Eh bien, c'est la fin de l'épisode avec Super Brioche. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commenter, mettre des pouces à la fois sur sa chaîne et sur la mienne, hein, parce qu'on aime bien les deux. Et que dire de plus, nous vous souhaitons un très bon après-midi ou fin de journée ou je sais pas qu'est-ce que je dis. Nous vous souhaitons un très agréable séjour. La température au sol est de 23 degrés. Et nous vous souhaitons, bref, à très bientôt pour un nouvel épisode de La Marche des Nains. Bye bye tout le monde. Bye bye. Bye.